Interview bien longue ça t'est faite dans un chantier construction qui vide dans moment l'étape marron pour autorité haïtienne yo. Dans micro journaliste New York Times yo, Rodolphe Jarre admet li t'est aidé dans financer et puis planifier complot. Selon ça homme d'affaires a dit, li t'est bail environ 130 000 dollars américains pour plan exécuté, permettre yo jeunes âmes et puis bail caille pour 21 commando colombiens arrêté avant attaque là. Responsable dans affaires sécurité en Haïti, d'après journal américain, fait qu'on est opération qui fait dans résidence privée ancien président, c'est groupe Phantom 509 qui t'est loué menel. Monsieur Jarre révélé, Joseph Félix Badiou ensemble avec lui, t'es rencontré un citoyen qui t'est présenté tête lui comme un dirigeant groupe là, pour t'es capable de discuter sous complot. Groupe ça qui gagne ancien et actuel policier la donne, t'es venu retirer Koyon à Kozea, environ une semaine avant 7 juillet, et Rodolphe Jarre dit li pa konn ki sa ki te la cause. Sécurité, moun ki pral remplacer Jovenel la, vin apprendre que mission a changé, yo dwe pran d'assaut résidence président nan Pèl Lerin sec. Pendant interview sa, homme d'affaires qui trouvait actuellement dans prison Saint-Domingue, dit li pa konn comment plan arrestation Jovenel Moïse la vin viré en drame. Mais quelques minutes après la mort, Jarre déclaré li recevoir un appel téléphone qui sorti bon côté German Rivera qui c'est chef mercenaire colombien yo qui confirmé ancien président mouri. C'est ça New York Times écrit. Entrepreneur qui dit li pa konn ki moun ki servo crime nan fait qu'on était engagé dans gros complot ça parce qu'elle était estimé président Jovenel te gagne un niveau arrogance qui t'a augmenté et il était venu un monde qui autorité. Avec des matchs ça, Rodolphe Jarre, qui pensait le tapra joindre si pour États-Unis, dit qu'il voulait tout bénéficier avantage commercial bon côté nouveau gouvernement, ça veut dire faire jouir certains privilèges comme entrepreneur. Selon M. Jarre, comploteur te gen intention pour faire juge coup cassation, Wendell Coctello prêter ses mains comme nouveau président. Mais tout plan qui était visé pour arrêter sans yo patrouiller chef l'État te vin échoué, les nèg examen rentré dans Kaila, et puis assassiner Jovenel dans chambre li. Mais pas de connait comment et pour qui ça plan te vin changer pour le passer de forcer président démissionner pour tomber dans assassinat. C'est ça le déclaré. Concernant rapport serré qui te gagné entre Joseph Félix Badiou et actuel premier ministre Ariel Henry, New York Times fait connait li consulter diverses informations yo joine sous téléphone qui bail détails qui paraît un petit genre drôle sous relation de monsieur yo. Selon ça, deux fonctionnaires haïtiens déclarés, la police t'a cherché Badiou. Badiou lui-même t'est connu toujours aller kay Ariel Henry. 4 mois après assassinat, d'après fonctionnaire ça yo, il était venu dans résidence officielle chef gouvernement pendant 2 fois et ça t'est passé dans la nuit. Badiou t'est rentré dans kay là sans aucun contrôle. Agent sécurité pas même fouillé, c'est comme s'il t'a rentré la kay li. C'est ça, journal l'a écrit. C'est quoi Rodolphe Jarre? Joseph Félix Badiou te dit avant assassinat Ariel c'est un allié cap itili après au fin renverser président homme d'affaires a dit il était partagé même kayak citoyen ça qui c'est un suspect clé dans la mort d'après déclaration Rodolphe Jarre que yo connaît tout sous nom Dodof Badiou te mandé payer Henri aide pour le cachaper pour li quitter pays a Ariel Henri te répond li et il te dit l'a fait quelques appels avant. C'est ça Rodolphe raconté par le journal là. Yon série déclaration New York Times dit li pas capable vérifier si yo te vrai ou pas. Fonctionnaire haïtien sa yo qui te parlé avec journal américain dit yo quoi Ariel Henry c'est tap yon suspect officiel dans enquête là s'il pas tap diriger gouvernement. Dans cadre même interview ça Rodolphe Jarre cité non actuel directeur général PNH la France LB qui lui même tout semblait gen ti bagay pour le ta expliquer. Selon sa ancien dealer de drogue l'a révélé, pendant qu'il a fait une réunion sur comment il a exécuté complot, Joseph Félix Badiou t'a relé M. LB, qui était conseiller principal pour la police pendant l'époque là, pour demander pour bal si pour zam pour le café Zak Libral faire. Chef police là, bon côté pal te répond, li dit li pa gen zam yo, mais li pat essayé tout faire rien pour empêcher ça arriver, d'après M. Jarre, qui cependant pas de bail aucune preuve pour ça. Mario Antonio Palacios ak Rodolphe Jarre, deux éléments importants qui arrêté dans cadre d'enquête ça et qui continuent à coopérer avec autorité américaine yo.
une série de révélations tout neuf qui provoquait un pile commentaire dans la société haïtienne, spécialement sur les réseaux sociaux. Depuis l'État Floride aux États-Unis, Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci Luxon Saint-Ville, Rodolphe Jarre, là, guerrier, mon nom, guerrier. Donc, révélation qui vient renforcer suspicion qui était gagnée sous le Premier ministre Ariel Henry Komoun qui t'a impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais élément nouveau dans la série et révélation sérieuse, c'est Franz LB, actuel directeur général police nationale, là, donc journal américain qui. Et parler avec Rodolphe Jarre qui est en prison actuellement et République dominicaine dit qu'il a été contacté LB mais le ça il était conseiller et directeur général ancien chef police. Bon et l'autre bémol c'est que il dit pas de baïzam que badjo t'est mandé hein, et mais il dit tout qu'il pas fait rien pour t'empêcher ça malgré Wally c'était un conseiller principal c'est quoi mot qui utilisé dans le journal là mais dans le moment c'était Léon Charles qui était DG PNH là. Donc en gros c'est ça qui est gagné dans l'article ça qui lui-même sorti dans le journal New York Times et Luxon a rapporté nous hier gagné information qui fait croire que Rodolphe Jarre mandé pour lui être capable transférer ou bien extrader de préférence aux États-Unis donc au lieu pour l'État venir en Haïti donc situation compliquée et de jour en jour information yo a pas sorti pour capable gagner un procès sous au dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse qui gagnait 6 mois. Ouais, hein, six mois. C'était 7 juillet qui a assassiné avec deux dernières arrestations ça là les États-Unis les prennent contrôle enquête là et nous toutes dernier mounio arrêté là ils ont préféré aller aux États-Unis au lieu de venir puger peigne en Haïti côté crime dans tes fêtes là. Bon, parce que même il a dit au peuple sécurité, il va t'arrêter à la pénitentiaire nationale. Mais même oui, il y a mon qui t'a souhaité, c'est là où il est. Mais est-ce que y a garanti sécurité pour que le procès soit fait? Parce que si le procès n'est pas fait, il n'y a pas de vérité, peut-être chaque monde et tout le monde a attendu. Il y a arrivé à pénitentiaire, et puis t'as l'autre, une petite maladie, une petite fièvre. Ou bien prison crasée tout. Hein? Ou bien prison crasée, sauvé encore. Hein? Donc est-ce que côté réel pas plus bon. Hein? Donc Félix Badjo, gaillé dans la nature, mais Jarre dit qu'il était partagé en chambre, il était dans le même caille pendant tout le temps. Et là, il a une idée. Et si Félix Badjo pas dans le pays, c'est à partir de pas 4 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, monsieur était dans le pays. Et il dit Félix Badjo est rendu caille actuel pour lui. Oui, Donald John lui-même est toujours dans marron. Contrairement à l'information qui t'a circulé dernier jour, ça y est là, pour te dire, John a arrêté. Donc, John toujours dans marron, même Jean, juge là, Wendell Coctello, tout, il continue à chercher. Il y a plusieurs autres, tout le monde, qui est mandat derrière eux, que la police toujours à chercher. Même lorsque, semble essayer pour l'autorité, bon, ici, à la table. Oui, mais nous, par contre, qui ça qui décide finalement dans le cas Samir Andal qui est fermé dans une prison pays turc et que l'autorité pays ça tapetonne jusqu'à 24 décembre, mais passé à des documents qui sont de l'autorité haïtienne pour te connaître et est-ce qu'il y a extradé en Haïti et jusqu'à présent document ça yo, bon autorité au fait si arrivé nous t'apprenons autorité au fait connaître qui ont envoyé document ça yo et qui t'est dû arriver avant 24 décembre donc avant date autorité turque qui ont envoyé l'exigé. Bon, et nous pas connaît vraiment qui ça qui dit et dans notre dossier ça. Eh bien, on allait avec réaction, défenseur plus, Antonal Mortimer, tout ensemble, révélation, Rodolphe Jarre. Oui, précisément, dernière déclaration, Rodolphe Jarre, qui a arrêté semaine passée sur le territoire voisin, Antonal Mortimer, collectif défenseur plus, souhaité révélation. Rodolphe Jarre avec Mario Palacio, a pris des
pour arrêter auteur intellectuel assassinat 7 juillet. Antonal Mortimer, Namiko, Lydie Alexandre. Au niveau Défense Plus, nous-mêmes nous saluons l'arrestation de M. Woldorf Dja, Vidodorf, de la République dominicaine. Même j'allais vous saluer l'arrestation ou l'interpellation de M. Antonio Palacios Palacios par l'autorité panaméenne et américaine dans Panama. Nous espérons que l'autre pays de la région a continué à collaborer avec les haïtiens pour y rejoindre l'autre criminel ou bien présumé criminel qui est dans marron, qui a pourri, soit dans Port-au-Prince ou bien qui a cherché les filles dans l'autre pays de la région. Maintenant, par rapport avec révélation, dernière révélation, nous pensons c'est une évolution positive dans le dossier. Le fait qu'il y ait des suspects qui commençaient à parler, qui commençaient à témoigner. Moi, je pense qu'il y avait peut-être des encadres pour parler et on va se parler. Et ça fait nous comprendre le déroulement ou des complexités d'événements dans la nuit 6 au 7 juillet 2021. Ce sont des événements qui gagnaient un pile gros potentat qui impliquait potentat. Pour le pouvoir, dans toute dimension. Là, moi, parce que les Haïtiens, même la justice, la liste, dans le dernier niveau, il y a toute allégation qu'a fait de côté les juges qui a traité le dossier, mais sous-juges qui a traité le dossier, c'est ma question, qui montre encore une fois la justice, là, bon côté, filet 20. Mais moi, parce que coup de main, FBI, avec la police, dans l'autre pays, dans la région Abaye, au moins, à permettre nous connaître. C'est goût de vérité, et là, moi, passé son gros pas, mais, les Haïtiens comprennent, qui bien, fait passer là, et nous avons vraiment, dans les Libres-Vinéo, messieurs Jacques, M. Palacios, et l'autre monde qui n'a pas une place nationale, nous avons souhaité ouvrir une bonne sécurité pour être capable de témoigner, et l'autorité est capable de garder concordance qui est un témoignage ça, jusqu'à ce qu'ils rejoignent l'autre cerveau, crime qui fait sous Jovenel Moïse là, qui sont crimes crapelés, mais qui sont attaques contre la République, parce que son président qui a assassiné la KLI et son président qui est élu, donc son attaque contre la démocratie. Nous avons espoir que le dossier ça a privé abouti. Non, direct, ça va aller là. Moi, pas croyant dans le la justice là, il est là. Pas gagné un CSPJ légitime, pas gagné l'autre, tout pouvoir l'État presque écrasé. Pas certain dans l'État, la justice là, là avec monde tout pouvoir là, et tout, qui ont même pifo la DOC, ancien, ennemi ou bien opposant Jovenel, moi, pas pensé qu'il y a créé route pour Jovenel jeune justice. Mais, moi, pensé, la force des choses a fait qu'il y a des vérités qui sortent dans le ciel, qui sortent, que l'opinion publique est informée et bien informée, moi qui est impliqué de près et de loin dans l'assassinat du président de la République, là, et qui l'a gagné payant en 4 jours depuis plus. Nous étions déjà en crise politique, et bien, après 7 juillet, nous avons une situation exceptionnelle, côté qu'il y a des autorités dans notre pays, pas rien ni type ni qualité, mais va plus menacer quelqu'un qui sortit quand même dans des élections mal commisées. Donc, pays à lever, je tiens, et avec mon. Des mondes exécutifs là qui n'ont pas gagné ni mandat, ni mission, ni technicalité, et qui ont dépensé les ressources de l'État, et qui eux-mêmes, chaque jour plus, s'achètent à pouvoir, qui fait sembler de gagner vraiment que l'État qui a planifié cette JIE, et qui part finir cette JIE, mais de temps en temps, qui a pris forme colis. Peut-être qu'on pense que l'autorité, soit dans la police, soit dans le gouvernement, qui est neuf ensuite dans le César, depuis le commencement, il est supposé commencer jamais, puis commencer autre même. Parce qu'il y a suscité un gros crime politique. Et en plus, nous sommes le commissaire gouvernement votre prince là, il a été révoqué parce qu'il était inculpé premier ministre là. Selon vous-même, il a supposé démissionner. Personne ne monde pas respecte la loi, c'est la constitution a dit. Tout le monde nous a cité soit comme témoin à charge ou à décharge, ou bien soit comme monde qui suspect. C'est celle de la justice qui a blanchi. Et si la justice pas blanchi, l'opinion publique toujours gagne tout ça. Donc si nous voulons collaborer, nous voulons renforcer la démocratie réellement dans le pays, nous n'avons pas gagné le choix de collaborer avec la justice. Bon, moi, pas tardé, c'est la justice américaine, FBI ou bien DIA qui a demandé des autorités contre soit la caille ou bien vidéo de l'autre côté.
établis intéressants. Ils ont collaboré avec l'autorité judiciaire haïtienne, Malcolm X qui l'a toujours, et cap sous tête. Si il y a des gens qui ont des affaires personnelles avec la justice américaine, bon, après ça, on a toujours à l'intention. Maintenant, il y a un crime qui fait sous territoire haïtien, il y a un crime qui fait contre démocratie dans le pays d'Haïti. Donc, nous pensons que tout vrai haïtien a intérêt à collaborer avec la justice.